Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur Panzer Corps avec toujours l'armée allemande hein, et on va faire la seconde mission dans cette petite découverte du jeu. Hein. Welcome to the Operation Weserübung, your preemptive invasion of Norway. Intelligence has informed us the Allies intend to occupy Norway. So High Command has decided we must strike first. It is believed that if we are able to secure enough vital ports in Norway, we will deny our enemies its strategic bases and vital resources. You must seize the major ports along the Norwegian coast. Ensure a decisive victory by securing the northernmost port of Namsos. Expect minimal ground resistance from the Norwegians, but heavy naval support from the British. To assist you in your campaign, the Kriegsmarine has generously supplied several cruisers, destroyers and U-boats to serve as auxiliary forces. As always, time is of the essence. Voilà. You should strive to achieve your objectives before you become bogged down in an extended battle against an entrenched enemy that will receive increasing aid from Britain and France. Voilà, très simplement, hein. Apparemment, les alliés veulent s'occuper occuper la Norvège. Donc, il faut qu'on frappe les premiers pour s'emparer la Norvège avant les alliés. Faut qu'on s'empare de tous les ports majeurs sur la côte norvégienne. On aura le soutien, évidemment, de la Kriegsmarine. Et la marine. Il faut qu'on prenne les différents ports. Donc, il faut qu'on prenne... bon, ben, il y a Oslo, évidemment, ici, hein. Et ces ports-là, celui-là. Tous les ports sur la côte, hein. Y compris, surtout, au nord, Narvik, hein. Il faut qu'on fasse ça assez vite avant que les Norvégiens ne reçoivent le support massif de la flotte ennemie. Donc, j'ai mes unités de réserve, ça c'est ceux que j'ai sauvés de la campagne précédente. Hein. Donc, ce sont des pièges de débarquement, hein. Vous n'avez pas compris. Hop. On va prendre du blindé. Enfin, en fait, s'attendre à surtout... une résistance ennemie minimale en termes de... comment dire? En termes de troupes norvégiennes, mais beaucoup de renforts britanniques. On va mettre également Dublin. On va s'attendre à... troupes massives ennemies. Bon. Je vais tout déployer. Je vais voir si je peux m'acheter un petit peu de... Tour 1. Bien. Priorité. On va s'occuper un petit peu du sud d'abord. J'ai des parachutistes qui permettent de larguer des troupes, ça c'est une bonne chose. Hein. On va essayer de secouer la troupe ennemie. On largue les paras. Mouiller leur port. On va essayer d'avancer un petit peu par ici pour voir ce qu'il y a. On bombarde. Attention à l'anti-aérien ennemi. Je bombarde l'anti-aérien très vite. Sinon, l'anti-aérien va mettre une vraie plaie. Et c'est des gros efforts de l'esquive ici. Hein. On essaie de bousiller leur canon anti-aérien très vite. Depuis le Danemark. On a envahi il y a peu de temps. Mais c'est la Suède qui est encore neutre.
L'action, c'est pour combien de temps la Suède sera neutre encore? Vous débarquement. On se par ici maintenant. Je m'occupe un petit peu de l'ouest. On a également beaucoup de problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de navires british qui traînent dans le coin et qui sont une vraie plaie. Faut sécuriser tout ça. On va voir par là, à votre avis. Les Anglais. Ah, je crois que j'ai spoté un truc là. J'aime pas ça du tout. On débarque, on débarque, on débarque. S'occuper très vite de ce qu'on a ici. Bon, on passe au tour. Et on commence à se faire pilonner. Putain, il y a les croiseurs britanniques qui sont là. Alors que je sorte de cette baie là. Ah, ça n'est pas à ça. Je l'ai chopé. Il pas que. Par contre, là, il m'a chopé. Ouf. Il va falloir dégager de la côte là. Donc, plein de navires là. Ouille. Ça, on va se faire ouvrir en deux là. À la flotte de Donitz, là, elle s'est repété le cul. Oh, il a dû destroyer là. Oh, j'ai esquivé. Évasion. J'ai pas esquivé. Ouf. Oh, ton masse de bateau et d'unité. Oh, c'est un carnage, c'est mes troupes de débarquement là qui sont pulvérisées là. Bon, au sud. Non, elle est nulle. Vers le nord. Et là, par contre, les troupes là, on va attaquer ici. Prendre ce port, je crains pas vraiment le sud. C'est pas le sud, m'inquiète pas tellement. Hein. Bon, c'est un petit coup de bombardement quand même sur eux. Là, heureusement que j'ai quand même deux ou trois. J'ai quand même deux gros navires. Enfin, deux vaisseaux de bombardement, ouais. Hein. Je bousille leur défense. On débarque, on débarque. Ici, est-ce qu'on peut vous y... Oh oui, on peut bien défoncer leur défense là. On mitraille, on arrose, on arrose. Ici, on débarque là. Enquête ici. Alors là, par contre, là, on va s'amuser. Leur maudite flotte là. Il faut vraiment que je débarque très vite et que je dégage parce que sinon, ça va être une
plaît. Heureusement que j'ai pas besoin de prendre ce port là, faut juste que je prenne Narvik au nord. Ils ont des canons là par contre pour attaquer par derrière là pour faire du support. Je prends ces villes très vite pour faire du soutien. Ça se passe bien du tout là. Bon. On va faire ce qu'on peut avec nos unités là. Faut seulement que je prenne au moins la ville ici, le port. Hein. Il faut un point. Ça va être une plaie. Oh la fière Kriegsmarine, t'as la flotte. Kriegsmarine est au fond de la mer du Nord là. Oui. Aïe. Ça va finir que le Tirpitz ou le Bismarck, on va avoir des beaux navires, mais qui vont être absolument useless et qui vont finir. Ça ne fait plus rien. C'est ça qui défend l'entrée du golfe d'Oslo, là, du fjord. Bon, au sud. Oh, pas un très gros risque là. On fait ce qu'on peut par là-bas. Aviation ici. On va faire du support. Pour cette petite ville, ici. Alors ici au nord. Voilà, faut vraiment qu'on détruise le verrou là de. C'est quoi, c'est l'anti-aérien? Ouais, c'est l'anti-aérien ça. On a détruit l'obstacle, c'est parfait! Là, est-ce qu'on peut détruire leur. On a détruit cette unité là, parfait. Et d'ailleurs, vous allez venir par ici. On s'est affaiblir un petit peu les unités qui sont en train de garder Oslo. On va te garder là, toi. Alors, au nord, ici. Je coule au moins un torpilleur ennemi. Ah, c'est pas en terrain dégagé, c'est la règle de base. Au nord, est-ce qu'on peut faire quelque chose?
C'est un petit peu d'affaiblir l'ennemi. Ouais, on en met cher, hein. Aujourd'hui, il faut pouvoir bombarder ce canon. J'essaie de prendre l'aéroport pour pouvoir, amener des troupes. Alors que je prenne Narvik assez vite. Bon, ça fait tout bien pour l'instant le scénar. Hein. Juste de ramener 50 unités, c'est juste... Oh merde. Support naval. Oui. Je vais me planquer dans les buissons, dans les forêts, pour pouvoir éviter d'être repéré trop facilement. C'est quoi cet abomination? Un porte-avions. Ils ont un porte-avions, les Anglais. Ok, ils bougent. Bon, ensuite, reprenons. Alors. Non, si je fais ça, je me prends une... branlé à intersidéral. Abattons l'aviation ennemie. Je veux dire, j'ai un anti-aérien, autant qu'il sert un petit peu. Défoncer une bille là. Oh, oh il m'a sacoupé. C'était pas prévu ça. Ok, dégage d'Oslo. Il a fui Oslo. Parfait. Moi bon, ici, est-ce qu'on peut bombarder les trucs ennemis? Je laisse sur 20. Quatre. Ah, est-ce qu'on peut... On va pouvoir prendre le port là, c'est parfait. On affaiblit ce qu'on peut à côté. J'essaie d'affaiblir tout ce que je peux. Bon, moi j'ai pris l'objectif du sud. Avant que je prenne le nord, non, faut que je m'en passe ce port-là pour arrêter de la troupe. Ils sont couverts par leur maudit artillerie là. On barre ce putain de canon. Fais suer. Donc j'aurais pas pris de quoi que ce soit là-haut. Je pourrais pas avoir de renfort. On se traîne mal les gens. Là on va éliminer cette petite poche là. J'ai les avions moi par contre. Je peux faire ça. Je vois des avions très vite. On va ralentir ce qu'on peut ici. Je ralentis le plus d'unités ennemies possible dans le coin. Là, on va se diriger vers le nord. Faut que j'abatte la flotte ennemie. Boum. Oh merde! Oh, j'avais pas vu celui-là! Aïe! 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 Aïe, les gens! Faut que je prenne cette ville-là, hein. Faut que je la démolisse. Hein. Oh, putain, il me fait chier, lui! En patrouilleur, se fait pulvériser! Ça pique! Laissez-moi atterrir tranquille, merde!
Oh, ma tankette a plus vie. Ma tankette n'a plus de munitions. C'est la merde. Aïe. Ah, ça craint, ça craint! Et là, je suis tellement isolé que j'ai plus de ravitaillement possible. Oh, c'est la merde. Bon, vous embarquez. Je vous garde là, vous. Je rase ça, faut que je bousille au moins ça. Ce sera fait. Éliminer les unités là, ce sera déjà ça de près. Zébat le sous-marin. Fait. Planque en montagne, c'est pas ce qu'il y a de mieux avec les charges, je sais, mais bon. Ce qu'il y a de mieux pour se mettre à l'abri. Ouf. C'est la merde là-haut. En plus, pourquoi il m'a passé par là, connard? Con de toi là. Ok. Là, il va vraiment se bouger le cul. Les massacrer là. C'est mon choix. Pas de 30 solutions. Et j'ai pas de prix de poste là-bas. Enfin, je remonte tout là-haut. Oh, ça va être chaud. Bon. Est-ce qu'on peut avoir d'autres unités? On va voir l'artillerie aussi. C'est le seul d'unité. Ah là, ça craint, ça craint, ça craint. Putain, mais ils ont telle portée. On voit pas pourquoi c'est même pas l'objectif principal, ce truc-là. Oh, mon débarquement ici était... J'avais pas ces unités au nord. Oh, je risque de foirer mon scénar à cause de ça. Je peux foirer mon scénar là-dessus, je veux dire, sinon, si je foire mon débarquement là-haut, faut que je retape toute la montée ici hein, à pied, hein, les gens. Je vous dis, avant le tour 16. Occasion blindé. Bon. Faut faire des dégâts là, faut qu'on coule la flotte, hein.
Et là, ma tankette, regardez, le petit char, là, il a plus de... Il va donner du ravitaillement, hein, parce qu'il n'y a plus que ça à faire. On peut au moins battre les deux unités ennemies, là, ce sera une méga consolation. Je l'ai même pas battu. Bon, alors ici. Oh, se retrancher, c'est une plaie! Bon, est-ce qu'on peut au moins... On l'a même pas nanti. Au nord. On va se replier ici pour faire un peu de bombardement. Ouais. On va recharger un petit peu d'essence. Heureusement que j'ai des véhicules. Les troupes qui se déplacent. Motorisées. On pratique les troupes motorisées. Enfin, prendre la ville là, ici. Là, en plus, c'est là, c'est renforcé. Oh! Je vais même pas dire en plus, bon bah là c'est pas grave, c'est des... Non, non, c'est fortifié, je veux dire, il y a des troupes ennemies. Alors le débarquement qui a été foiré, j'aurais dû mettre plus d'unités au nord, j'aurais surtout dû ramener la flotte. Il faut que je prenne Narvik là en plus, regardez, il faut que je l'aille jusque là-haut. Pour la route du fer vers la Suède là-haut. Là, mais c'est wipé à mort! Je vois pas qu'on survit ici! La question, c'est comment est-ce que ma flotte, elle survit aussi, dans ce coin-là? Donc, j'ai les deux gros navires là, hein, pour attaquer, hein. Ils ont survécu, ces mecs-là! Incroyable! On passe avec longtemps, à mon avis. Et voilà, c'est bon, c'est mort. Et là, Narvik, il n'y a rien à Narvik pour pouvoir tenir. Ah, là, quand même réussi à faire un dégât, c'est pas si mal. Le couler ou pas ce bateau là? Même pas. Ah, elle a coulé, hein. On a battu un bateau avec des balles, c'est magique. Hein. Ah là là, ce jeu des fois. On a par contre ici. En flou. Bombardier. En reco. Ah, embuscade. Oh, c'est dommage ça. C'est mort, ça parfait. Il va falloir absolument bousiller les véhicules ennemis avec notre aviation. On les a même pas détruits en plus. Vous avez vu ça, c'est lamentable, les gens. Allez, tu vas refaire de l'essence très vite, toi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah, j'ai acheté un truc. J'ai acheté l'artillerie.
Je suis désarticulé pour bombarder les deux villes d'un coup là. Faut faire des dégâts à l'ennemi là. Oh, c'est pas prévu ça, les gens. La question que je me pose, c'est comment est-ce que je viens de Narvik avec des. En prenant des branlées pareilles. Eh ben. Il n'y aura pas de gros succès de victoire ultime. Hein. Si je galère comme ça, heureusement que j'ai mis les difficultés un petit peu plus basse, hein. Je suis pas en difficulté moyenne, hein. Bon. Alors on peut couler des petits bateaux comme ça avec des. Quant à ça, c'est normal, hein. Je ne peux pas comprendre ce jeu. On se tire. Bon, ici. On va faire infliger des dégâts. On a pris cher aussi. Quand c'est qu'on a vu, on peut pas faire des dégâts là, à cause bazar. Bon! Ah, cette artillerie là, j'oubliais. J'ai pas mis à. J'ai pas mis de. Oh, j'ai pas mis de motorisation sur l'artillerie. Et voilà, 3 à l'heure, c'est l'horreur. L'enfer. Par là. Wipé, bien sûr. Au moins, on va prendre cette ville-là. Ça les a wipé. Est-ce qu'on peut bombarder ces FTP là? On peut pas les bombarder? Comment ça se fait? On va rien faire pour l'instant. Je prends ces villes-là et après on fonce vers le nord pour prendre ce foutu port de Narvik. Voilà, c'est coulé. Ah oui, ils ont ça, il y a ça aussi. Et plus de munitions, je peux même pas me défendre. Oui, oui, oui. C'est pas comme si j'avais 50 000 navires en plus, hein. Aïe. Bon, au moins le sud de la Norvège est à moi. Embuscade, putain, les FDP. On s'est bombardé leur bateau. Tout ça à faire. Détruire un bateau avec mes avions. Un peu de bombardement là-haut. On accélère. On va essayer de les secouer le plus possible. Bombarde, enfin prendre la route là. Ah, défense en ville là. Est-ce qu'il survit mon. Eh ouais, le véhicule s'est vécu. On va foncer vers le nord maintenant. Donc je prenne ces villes-là. Et enfin, je les prenne avec.
Alors que j'y aille avec mes troupes depuis le sud. Oh là là, c'était pas du tout prévu ça, les gens! Ils bombardent ma petite tankette là! C'est survie, c'est un miracle. Mais ce que je me disais, ouais. Ouais, bah, survie pas. Bon. Moi, celui de là, on peut réparer. Butez-moi ce navire là. Il me fera plus chier celui-là. Bon, par ici. Absolument que je... Ouais, juste volonté juste de demander remplacement. Je vais abattre les troupes là. Ce sont à découvert, elles. Ici. On bombarde la ville. Parfait. Oui, tu c'est bon. On envoie par là. Une artillerie défensive ici. Hop. On va aller plutôt par ici. Un aéroport dans le coin qu'on peut prendre. Et on va prendre ces fichues villes ici. Et qu'on monte vers Narvik. Ça va être long. Plus que 6 ou 7 tours, je crois, pour prendre les deux villes. Il y a deux points au nord en plus, hein, les gens. Oui, oui, oui. Bombarder ce gros navire. On va leur faire mal, faut que fasse mal là. Bombarde. Il faut absolument qu'on tue les troupes ennemies là pour virer ce. Bon, on a détruit ça, on est tranquille. Faut juste que je prenne la ville là pour, sécuriser mon flanc. On va aller par là. Génial! On a besoin du Norvégien là, on va pas bombarder ça. On s'est fichu ville ici. Ça, on va essayer de faire de l'artillerie au prochain tour. Ouh! Un croiseur qui me bombarde à distance. Oh, ça piquait. Bon, eux, je vais vous retirer, vous soigner. J'ai même pas coulé. Lamentable. La tankette va pouvoir les couler. J'ai tenté un truc avec la tankette. Elle sert à rien, évidemment. Boum. On l'a détruit, le navire ici. Au sud, hop, on avance. Par là. Est-ce que je peux recruter de l'artillerie, mais en SDKFZ? Je sais quoi, je vais recruter ça.
On appelle Blitz ici au sud. Ils iront largement plus vite. On sera pas dur d'aller plus vite que que les veaux que j'ai. Ouf. Ok, on sait ce qu'il y a maintenant. Embuscade. Oh là 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 là! Bon. Alors couler tout ça les gens hein. Enfin, traîner cette putain de ville ici hein. Là. Bon, là, attends, le char a démoli, c'était un peu près. What? Il sort ça d'où? D'où tu sors ça toi? Oh mais non! On va redescendre, hein. Bon. On avance. On utilise le terrain à notre avantage, laisse son terrain découvert. Pas moi. Je vais choisir l'avion, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas les détruire, bien sûr que non. Et je change de couvre, allez. Ça a marché. J'arrive pas à le croire. Ça marche. Bon. Je prends cette ville-là pour avoir un petit poste avancé. D'essence, c'est-à-dire que si je prends pas l'aéroport au prochain tour, je suis baisé. Allez, tour. Aïe, aïe, aïe. Il y a ça là-haut encore, je vais pas venir celui-là. Combien de bateaux là pour me casser les burnes? Je peux pas les envoyer ici au bateau là? Et je suis surpris. Non, je savais même pas que vous aviez une autre unité ici, les mecs, pour me faire chier. Tout. Après l'aéroport, donc on peut à nouveau s'en servir. Pour nos gars. Ah, faut que je foute le camp. Bardez-moi ces FDP là, parce qu'ils vont me faire suer sinon. Là, faut que je les extermine. Ok. Et vous me prenez cette ville-là, comme ça on se débarrasse des Norvégiens ici. Y a rien ici, donc il faudra absolument que l'on envoie de la troupe pour reprendre cette ville-là, parce que sinon on leur pond des unités. L'ennemi va nous mettre des unités dans le dos, hein, si on fait rien. Je vais pas attaquer tout de suite.
Il n'y avait rien ici. Butez-moi ça par contre. Tuez-moi ces gars-là par contre. Très vite. Tout plus ça peut battre un peu les affaiblir ici. Moi qui cher, ça servait à rien. Bon bah la mission en victoire totale, ce sera pas dans cet épisode-là, je vous l'assure. Là, ils ont plus de munitions ces gars-là, ils servent plus à rien. Bon. Sud. Mais s'ils ont des troupes de leur capitale à nouveau, FDP, regardez-moi ça, enculé. Butez-moi tout ça. Non, j'ai pas eu de dégager. Bombarder ça, ouais, on peut bombarder ça maintenant, les gens. On va se tirer au nord. Et pour le fun, les gens, regardez. Rien du tout. Je me doute un petit peu, mais bon, je suis. J'ai dit que si jamais ça passait, ce serait du miracle. Bon là, est-ce qu'on peut avancer un petit peu? On peut mettre une petite dérouillée là pour les faire dégager leur ville. Ils dégagent pas. Ils ont un gros canon. Oh, moins 4! C'est plaisir. Problème, c'est que la Norvège, si j'avais pas foiré mon débarquement, j'aurais pas avoir un point ici pour me. Pour être safe. Voilà, par contre, ici, plus d'essence. On arrive critique au-dessus de l'aéroport pour se ravitailler. Est-ce que il se crache ou pas mon véhicule? Je sais pas. Là, on se renforce d'urgence. Là, il a repris l'aéroport, bien sûr. Hein. C'est pas grave, il prend l'aéroport, moi je vais prendre Oslo. Je reprends absolument la ville au sud pour qu'il puisse plus avoir de ravitaillement et de reformer les troupes, hein, ça le problème. Alors, déjà ici, au nord. L'artillerie, on affaiblit, on bombarde. Elles sont plus massacrées ici. Non. On va rester là, dans le coin. Au sud. On est bien un petit peu sous le choc, là, les gars. Parfait, les gars. Est-ce qu'ils passent en rouge? Ouais, ils passent en rouge, là. Avec un peu de chance, ils vont dégager de la ville. Avec un peu de chance, c'est passé. La chance. On va dégager les canons ennemis, là.
Dégage. L'artillerie ennemie, elle est neutralisée. On avance. J'ai le croiseur ici. Est-ce que je peux réparer mon croiseur dans le port? Je vais tenter un coup. Après tout, si on arrive à prendre la ville au tour 25, c'est pas grave, ça aura une victoire. C'est une victoire mineure, on s'en fout, on aura gagné. On aura la Norvège. Ah, merde, il y a ça. J'ai pas détruit celui-là? Alors, déjà toi ici. On l'a coulé, parfait. Déjà ici. Neutraliser ça. Oh, il y a encore des Norvégiens ici! Qu'est-ce que c'est cool ces mecs-là? Faut vraiment que j'aille reprendre ce point-là. Hein. Bon! Vous pensez qu'on va y arriver un jour, un petit peu, à ces fichues missions-là? Il y a toujours le soutien de l'artillerie ennemie derrière. Je dois avancer. Non, il faut que je détruise l'artillerie. J'essaie de détruire leur. Hop, on va se renforcer avec les chars. Faut que je prenne cette ville-là bientôt. Hein. Mais ça avance, 17 tours sur 25. Aïe aïe aïe! Aïe aïe les gens! Au moins l'ennemi là pourra plus me casser les pieds. Bon, au nord là. Faut que je rase ça là très vite. On mitraille. On avance. Faut que j'avance, hein. Enfin, que je prenne cette fichue ville, parce que sinon, c'est une plaie. Je suis plus aisé, c'est pas grave. Là. J'ai essayé de tenter de. Bon, je peux pas réparer. Maudite unité là-haut. Bon, là, par contre, vous n'avez plus de mission, c'est pas grave, vous allez pouvoir prendre le port quand même. J'ai massacre, c'est bon, j'ai massacre. On prend la ville. On bombarde. Il faut vraiment que j'accélère pour aller là-haut au nord. Il va falloir au moins. Eh, 5 tours, c'est just. D'ailleurs, ici, là. Bombarder ces FDP là.
Bon, au moins là, c'est neutralisé, on est sûr que y aura plus personne qui va nous casser les pieds dans le dos. Il n'y a plus qu'à détruire ce qu'il y a là au nord. Ici toi, je peux pas te réparer, non. Un tour. Faire exploser les bateaux là. Victoire marginale. Et fallait pas récupérer ça? Fallait pas récupérer ça en plus? Est-ce que c'est pas une victoire totale? Bon, bah, pourquoi ça me dit pas. Pourquoi ça me met la victoire maintenant? Bon, bah, on va se contenter de ça, les gens, hein. Victoire marginale. Ah non, faut que je la finisse la campagne. Je la finisse ou pas? Bon. Ils ont jugé que c'était un succès adéquat. Le commerce vital avec la Suède peut avoir désormais lieu de manière ininterrompue. Et on a mis un coup sévère aux alliés. Bon. C'est pas victoire totale. Victoire marginale. Sur ce, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir. Et à la prochaine. Bye tout le monde!